gentlemen, this is your captain speaking. We have now reached the cruising altitude. Please sit back, relax, and enjoy the ride. Salut à tous et bienvenue dans le premier podcast électronique de Radio Lado. Nous allons sonder ensemble la diversité des musiques électroniques entre groove et beats, basses et synthés. Chaque session sera consacrée à une période, un label, un artiste qui aura marqué son temps et nos tympans. Aujourd'hui, on s'intéresse à la French Touch, décennie capitale pour l'électro française. Alex Goffer, Cassius, Saint-Germain et Laurent Garnier sont au programme pour 20 minutes de groove old school. On commence par Alex Goffer et son titre The Child, sorti en 1999 sur le label Solid fondé par Alex lui-même et son compère Étienne de Crécy. Le titre nous fait découvrir le morceau God Bless the Child par Billie Holiday, dont la voix a été ici samplée. Nous allons maintenant passer au morceau de Cassius Club 75, un nom qui parlera sans doute aux aficionados d'Headbanger. Paru sur l'album 1999 sorti la même année dans les bacs, il est le premier LP du duo. Thank you.
C'était donc Philips Dar et Boom Bass. Place maintenant à Saint-Germain, dans le style caractéristique associé à House et Jazz. On s'écoute What's New, tiré de son premier album Boulevard, sorti en 1995 sur F Communication et produit par Laurent Garnier. Respect to Smack Production and Music Station, our favorite underground house. House music.
much respect to all the DJs that play real house music. Dimitri in Paris. Loic, Radio Nova in Paris. Mandrax in Switzerland. Little Louis Vega. Kenny Dope Gonzalez. Frankie Knuckles. Todd Terry. Roger Sanchez and all the DJs who keep New York's underground house sound alive. The deep house sound. New York, Chicago, Detroit, Paris. The deep house sound. Deep. The soul. Passons maintenant au genre si particulier de Laurent Garnier, teinté de house, de jazz et de beaucoup d'acide. Voici The Man with the Red Face, plébiscité dans tous les charts de l'année 2000. Thank you.
Merci de nous avoir suivis, on se revoit bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas que le film Eden sort le 19 novembre si vous voulez aller plus loin dans la French Touch. Rendez-vous au prochain podcast.